semblable à un élément aux ventes aux enchères. Et tu as accepté de donner le meilleur. Pendant qu'on proposait, tu viens, tu casses les marchés en mettant le prix le plus élevé. Tu as payé de ton propre sang pour gagner notre cœur. En réalité, nous ne savons pas trop aimer. C'est en rencontrant l'amour que tu es, la personne de l'amour que nous apprenions à être. Tu m'as gagné mon cœur, Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui te suivent parce que nous avons peur de l'enfer. Nous te suivons parce que nous sommes tombés amoureux de toi. Nous ne sommes pas de ceux qui te suivent pour avoir quoi que ce soit de matériel d'abord. Nous te suivons parce que nous sommes tombés amoureux de toi. Alléluia. Dans la balance, il n'y a pas match. Pas d'amour désintéressé comme le sien. Il n'y en a pas deux. Merci de nous avoir aimés tant. Merci Seigneur. Sommes les résultats de ton amour, les résultats de ton amour. Merci Seigneur. Bénis ces instants, Seigneur. Fais-nous tellement du bien. Libère ta parole. Localise-nous individuellement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons réserver un petit moment à la fin que nous allons prier. Nous allons partager la parole et puis nous allons prier encore. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment nous allons? Bien. Gloire au Seigneur. Are we good? Yes. Are the children good? Yes. Be quiet. Don't attack to me today. Monty, good? You don't attack to me today. Gloire au Seigneur. Allons la parole des yeux. Let's go into the Word of God. Nous sommes dans Matthieu 6. So we're in Matthew 6. Nous sommes en train de parler sur la prière de notre Père. We're speaking about the prayer of our Father, the Lord's Prayer. Et depuis que nous avions commencé, ever since we started, nous avons déjà abordé différents points. So we've already started to speak about different points. Et la fois passée, la semaine passée, last week, nous sommes très précisément arrêté là. We stop precisely au niveau où nous parlions de la volonté de at Dieu. The level of the will of God, where we're speaking about the will of God. C'est en soi un sujet déjà assez vaste. It's a vast subject que nous ne pourrons pas aborder dans 40 minutes. That we cannot speak about in just 40 minutes. Alors Dieu nous permet juste de prendre l'essentiel. So God is allowing us to just take the essential. De soutirer juste une petite portion. Just to subtract just a small portion. Une petite cure que nous avons besoin pour cet instant. Just a small portion that we need for this moment. Peut-être que nous reviendrons pleinement vers la volonté de Dieu après. Maybe we'll go back to the subject of the will of God after. Mais nous allons continuer un tout petit peu dans la volonté de Dieu aujourd'hui. But we're going to speak about today also again the will of God. Et après avancer dans la suite de votre message. And then go to the end of our message. Nous avons parlé de la volonté de Dieu la semaine passée en disant que. So we spoke about the will of God last week saying. Matthieu 6, 10 dit que ta volonté vienne. Matthew 6:10 says may your will be done. May your will be done. Yeah, que ta volonté soit faite plutôt.
May your will be done sur la terre comme au ciel. On earth as it is in heaven. J'aime parole de vie dit quelque chose de très intéressant. I love my version that says. Parole de vie dit fais venir ton royaume. It means make your kingdom come. Fais que ta volonté se réalise sur la terre. And that your will be done on earth. Comme dans le ciel. Like as it is in heaven. Nous avons dit la semaine passée, nous avons dit nous voulons que la volonté de Dieu se réalise. We want that the will of God to happen. Nous voulons que la volonté de Dieu s'impose. That the will of God impose itself. Nous voulons que la volonté de Dieu prenne place même de manière forcée. May the will of God take its place even in a forced way. Et nous avons dit que Dieu est toujours en train de rechercher une personne par laquelle passer pour faire mention de sa volonté sur terre. We also said that God is always trying to find a way for his will to be done on earth. Pourquoi Dieu veut que sa volonté s'accomplisse? Why does God want his will to be done? Parce que la Bible dit, Proverbe 19:21. Because the Bible says in Proverbs. La Bible dit dans le cœur de l'homme. It says that in the heart of man. Proverbe 19:21. Proverbs 19:21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. There is in the heart of a man a lot of Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. But it's the will of God that accomplishes itself. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. In the heart of a man, there's many plans. Parole de vie le dit comme ceci. The word of life says. Les humains font beaucoup de projets. That humans make a lot of plans. Mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. But it's the Lord's will that happens. Non pas seulement les humains. Not just humans. Même les esprits font projets. Spirits make projects or plans. Les esprits font des projets contre notre vie. Even the spirits make plans against our Et nous avions dit, nous devons être de ceux qui décident et disent, Seigneur, nous voulons vivre dans le plein centre de ta volonté. We said that we have to make the decision to be the ones that say that, Father, we want to be in your will. Nous avons parlé de Romains 12, la fois passée. We spoke about Romans 12. Le premier et le deuxième verset. The first and the second verse. Alors, la Bible dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Say, don't conform yourself, but transform. Et continuons en disant, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu. So that you will know what the will of God is. Et il parle du premier degré de la volonté de Dieu, ce qui est bon. He spoke about what is good. Ce qui est agréable. What is pleasing. Et ce qui est parfait. And what is perfect. Nous avons dit, le but c'est de fonctionner dans la dimension parfaite. We said our goal is to always be in the perfect will of God. Et voilà comme ça nous avons parlé la semaine passée d'un homme qui s'appelait Moïse. Nous avons dit. About Moses. C'est un homme qui était en train de marcher avec un mandat mais en étant au plein milieu de la volonté de Dieu. He spoke about that was Moses who was working in a mandate that was in the will of God. Ainsi il pouvait être devant un homme qui les haïssait mais qui n'avait aucun pouvoir devant ça. Pharaon haïssait Moïse. Pharaoh hated Moses. Mais il n'avait aucun pouvoir devant Moïse. But he had no power in front of Moses. Mais Pharaon pouvait juste ordonner en disant et arrêter les Ukamate. Pharaoh said, take him, could have said, take him. Ukamate, on lui coupe la tête immédiatement. He said, cut his head immediately. Il n'avait même pas besoin de dire un mot. Il pouvait juste faire un signe. Assis sur sa chaise, il fait seulement un signe. He could have just made a sign and Pharaoh would have just told him to go. Mais malgré la dimension de haine que Pharaon avait pour Moïse, the amount of hate that Pharaoh had against Moses, il n'arrivait pas à tendre sa main contre Moïse. He couldn't extend his hand towards Moses, against Moses. Pharaon savait que Moïse n'était pas qu'un homme ordinaire. He knew that Moses was just not an ordinary man. Moïse était un homme qui fonctionnait dans la volonté parfaite. Moses was working in the perfect will of God. C'est lui qui fonctionne dans la volonté working in the perfect will of God. Nous avons dit n'impressionne pas nécessairement les hommes. Doesn't impersonate or impress men. Mais les mondes spirituels savent qui il est. But the spiritual world knows who he is. Moïse jette son bâton. Les magiciens aussi viennent jettent leur bâton. Even the magicians already. Mais la fin, seul le bâton de Moïse est resté fidèle avec Moïse. Only the Moses' staff stayed. Seul Moïse est rentré avec son bâton. He's the only one who stayed with Tous les autres bâtons se sont inclus dans le bâton de Moïse. Every other stick or staff. The rod. Rod. Yeah. Tous les autres bâtons étaient inclus dans le bâton de Moïse. All the other rods were included into the rod of Moses. Nous avons dit un homme hors de la And volonté we said de Dieu. A man that is against the will of God. Un homme hors de la volonté de Dieu. A man that is away from the will of God. Ressemble à un général dégradé. It's like a general that it has been depromoted. Et non pas seulement on lui a dégradé, mais on lui a rendu civil. They degraded him. Not only did they degrade him, but they made him just a civil person. C'est-à-dire que même un militaire du premier degré. That means that even a military person.
peut le dire à Pana. Can tell him. À Pana. Come here, come here. Chez nous, les policiers parlent une langue, c'est certainement, c'est le Swahili. In our country, soldiers speak Swahili. Venir, c'est quoi en Swahili? Quelqu'un connaît le Swahili ici? Does somebody know Swahili? Venir, c'est quoi en Swahili? Kuya. Hey, kuya apa, kuya. They say kuya, they say, that's come here in Swahili. Il est général, simplement parce qu'il a été dégradé. He's a general just because he's degraded. Il voit comme ça son autorité. He sees that his authority perdre de l'impact. Has no more impact or value. Et celui qui marche and hors the one de la that's walking against a will away from the will of God. Ressemble comme ça un homme qui est en général. Is like a person that's like a general. Un no gradé. That has no mais grade. Dès qu'il se décide de sortir de la volonté but de Dieu, he gets out of the will of God, il sort du lieu où il a de l'autorité. He leaves the place where he has authority. Amen. C'est-à-dire que même les petits démons, but les tout petits démons, small demons, peut venir et dire, hey, couille, and say, come here. Hey, travaille pour moi ici. Fléchis. Bow down. Dans la volonté de Dieu, nous avons là l'autorité. In the will of God, we have authority. Nous avons dit parce que là, le we royaume nous accompagne. Amen. Nous avons le poids, nous we avons have the dit. Amen. Amen. Comment est-ce qu'un enfant, un jeune David, man, peut se tenir devant un roi, le convaincre à gagner les marchés d'un combat a battle national. Of a national c'est battle. C'est-à-dire que si c'était un battle, tout le monde était devant la télé. Final Coupe du Monde. On dit, ok, c'est David qui va prendre les derniers pénalties. It's David that will have the last penalty kick. Comment est-ce qu'un jeune David peut convaincre le roi à prendre ces risques? A king to take that risk. Il avait avec lui un poids. He had a weight on him. Hallelujah. Amen. Et nous avons dit que Dieu a and exprimé he said sa that volonté God, God expressed his will par une personne. By one person. Nous avons parlé de Christ comme étant l'image parfaite de la volonté de Dieu. We spoke about Christ being the perfect image of the will of God. Avant que je n'y arrive. Before getting there. En parlant de la volonté qui nous donne de l'autorité. Speaking about the will that gives us authority. Ma prière c'est que Dieu my nous laisse prayer is that God doesn't leave us. Faire un pas hors de sa volonté. Let us make a step. He doesn't let us make a step yes. away from his will. Que Dieu ne nous permette pas de may faire God not permit us to make a step outside of his will. Combien efficaces nous sommes. How effective are combien we? Véridiques nous sommes. How truthful are combien we? Puissants nous how sommes. Powerful are we? Nous pouvons être, vous savez, vous pouvez être un habit de fête dans la maison de pauvre, mais un torchon chez un riche. You can be a... Que Dieu nous fasse seulement grâce d'être au bon endroit au bon moment. May God just give us the grace to be in a good place in a good time. Que Dieu nous mette dans un endroit où nous aurons beaucoup plus d'impact. May God put us in a place where we will have more impact. Que Dieu nous place au lieu où nous sommes au plein centre de sa volonté. May He place us in a place where we are in the center of His will. C'est là où une simple pierre. That's where even a small stone fait tomber un Goliath. Can make a Goliath fall. C'est à ce moment-là que les hommes disent comment tu as fait ça. It's the same way that the men will ask you how will you do, how did you do that? Tu leur donnes les schémas exacts de ce que tu as fait. You give them the way that ils n'aboutissent pas avec dans le même résultat. But they don't have the same result. Tu leur montres les pas. You show them the steps A, B, C. Mais personne n'aboutit à ton résultat. But nobody has the same result. Parce que le secret n'est pas les résultats. The secret is not the result. Le secret n'est pas la conséquence. The secret is not the consequence. Le secret c'est la cause. The secret is the cause. Le secret c'est mon secret. The secret is my secret. C'est mon côté initial, it's mon point initial, point. Mon point zéro. My zero point of zero. Et nous avons dit que la volonté de Dieu ne commence pas par la volonté de Dieu. Jésus nous apprenons à prier Jesus dit intentionnellement. Il dit commencer par sanctifier le nom de Dieu. Chercher à ce que son règne vienne. Parce que quand son règne est avec vous, forcément sa volonté. Alléluia.
Ne cherche pas à jouir du fait que je marche sur la volonté de Dieu. Rejoice that you're walking in the will of God. Ne faisons pas les choses upside down. Don't do things upside down. On ne porte pas d'abord les chaussures et après mettre les chaussettes. You don't put the shoes and then put the socks on first. It looks funny and it feels funny. To me, that. On met d'abord les chaussettes et puis on met les chaussures. First you put the socks and then you put the shoes. Jésus est en train de dire, ne priez pas en mettant d'abord les chaussures et puis mettre les chaussettes après. Jesus is basically saying, don't pray and putting your shoes and then putting your voilà socks comment after. Il faudrait commencer. This is how you're supposed to start. Seigneur, ne nous permet pas de faire Lord, un do not pas let us make a step outside of your will. Nous avons dit que Jésus est l'image de la is the image of the perfect will of God. Car Dieu a tant aimé le monde. Because God so loved the world. Il a donné son fils unique. And he gave his only beloved son. Jésus est l'image de la perfection de ce que Dieu lui-même voulait. Jesus is the image of the perfection of what God wanted. D'ailleurs, quand il devait manger comme ça, so il disait, even when he wanted to eat, he would say. Il disait ma volonté c'est de faire. My will is to. Il disait comme ceci dans Jean chapitre 4. He said this in John chapter 4. Il disait mon repas c'est de faire la volonté. My meal is celui to do. Qui m'a envoyé. Is to do the will of the one that sent me. On parle du manger, Jésus. We're speaking about the food, the meal. Non, même mon repas. Listen, no, me, my meal. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Is to do the will of the one who sent me. Il était le seul qui pouvait tout faire. He was the only one that could do everything. Mais qui n'a fait que ce que Dieu voulait. But could only do what God wanted him. Il était le seul à limiter tout son pouvoir au vouloir de Dieu. He's the only one that limited all his power to the will of God. Jésus avait la capacité de Jesus tout faire. Jesus had the capacity to do everything. Même quand Satan lui dit, transforme le pain. La pierre en pain. Transform the stone into bread. Il dit l'homme ne vivra pas du pain. But he says no man will not just live by bread alone. Mais de toute parole qui sort. But every word that comes out of the mouth of God. 1 Thessaloniciens 5 dit ceci. 1 Thessalonians 5. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Thank Je lis God. Avec Bible de Semeur. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Thank God in all circumstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. That is the will, the love that God expressed through Jesus Parce Christ. Parce que Dieu a exprimé sa volonté Because God expressed en Jésus-Christ. His will in Jesus Christ. Hallelujah. Il a été l'image parfaite de He la volonté been de Dieu. He has been the image, a perfect image of the will of God. La volonté de Dieu, c'est que nous suivons un chemin. The will of God is for us to just follow La volonté the de Dieu, c'est que nous suivons le chemin. The way he wants us to live Nous suivons la vérité. The truth. Ce que nous ayons une vie. So that we can have a life. Et tout ça est inclus. And everything that is included in Jesus Christ. Jésus a été l'image. Jesus is the image. De la volonté parfaite de Dieu. Of the perfect will of God. Et nous avons parlé du verset 10 la semaine passée. And we spoke about verse 10 last week. C'est là qu'il parlait du royaume that de la volonté about de Dieu. The kingdom of God. Alors si on doit parler de cette prière, in the will of notre God. Père, if we were talking about nous rendons compte que cette prière a deux parties. We'll realize that this prayer has two parts. Deux grandes parties. Mm-hmm. Two big parts. La première partie, the c'est jusqu'au verset 10. The first part c'est comme nous allons finir. To verse 10, where we're finishing. La première partie nous parle de ce que Dieu veut. It speaks about what God wants. Tout mentionne ce que Dieu veut. The first part only mentions what God wants. Commence avec l'introduction de notre Père qui est dans le ciel. It starts with the introduction of Father that is in heaven. Et puis que ton nom soit sanctifié. May your name be holy. Que ton règne vienne. May your kingdom come. Que ta volonté soit May your will be done on earth as it is in heaven. Tout ça là, c'est ce que Dieu veut. All that is what God wants. C'est que ça démontre le côté roi de Dieu. It shows the side of him being a king. Le côté royaume. The royal side of him. La première partie nous montre la portion que Dieu désire. Of what God desires. Et la première partie nous montre ce qui est primordial what is first. Voilà pourquoi dans la conclusion de ce même texte dans Jean, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit recherchez premièrement le royaume. Là Dieu est roi. Il dit recherchez premièrement le royaume et sa justice et toute autre chose vous sera donné par-dessus tout. All things will be given unto you. La première partie démontre le côté de Dieu comme roi. Shows us the side of God as a king. Ça nous présente ce que Dieu It veut. Presents us what God wants. Dieu est roi, Dieu veut God régner. God is king and he wants to reign. Dieu est roi, Dieu veut que son nom soit sanctifié. And God is king and he wants his name Dieu to be holy. Dieu est roi, Dieu veut que God sa volonté se fasse. God is king and he wants his will be done. Dieu merci.
C'est que cette prière ne s'arrête pas là. May this prayer not stop here. Cette prière a une deuxième partie. This prayer also has a second part. Et la deuxième partie, Dieu nous donne le bon grain de lui dire ce que nous voulons. God gives us the ability to give to tell us what he want, we want. La deuxième partie, the second part, c'est beaucoup plus nous qui disons à Dieu ce que nous voulons. Us telling God what we want. Ce n'est pas que Dieu it's qui nous impose. La deuxième partie perd l'image de Dieu comme Père. Of God as a father. Et si même quand Jésus prie, so donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Matthieu 15, Matthew là Jésus parle à cette femme étrangère qui demandait la guérison. Jésus lui dit, vers le verset 21, Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner to give au chien la portion bread, a dog, a portion des enfants. Of a child. Le pain, c'est la portion des enfants. Bread is the portion of a child. Et la deuxième portion, Jésus nous dit, the écoutez, portion, ici maintenant quand vous priez, ayez aussi pray, la révélation que vous êtes en train de parler à celui qui veut que vous puissiez demander quelque chose. That wants you to ask something. Ah voilà, c'est maintenant ici le problème. That's where the problem is. Le problème, c'est que nous croyons que quand nous prions, pray, c'est seulement un côté où il y a un Dieu qui veut que quelque chose s'accomplisse. Alors que Dieu veut que nous lui demandions. But God also wants us to ask him. J'ai entendu comme ça des gens dire, moi je demande jamais rien à Dieu. I don't ever ask anything moi to j'adore God. Seulement. I just worship him. Aussi spirituel que ça peut very spiritual that it may sound. Il y a un handicap. There's a handicap there. Jésus dit ne vous limitez pas. Jesus said don't limit yourself. Qu'à sanctifier le nom just de Dieu. Making God ne vous limitez holy. Pas. Don't just limit qu'à demander la volonté de Dieu. Demandez aussi le pain. Also for the bread. Et il dit même, il dit he dans said, la prière, rappelez-vous qu'il y a la portion des démons. Dans la prière, in on peut demander. You can ask. Il n'est pas charnel de demander. It's not just fleshly to ask. Oh non, moi je say, oh no, I just love moi, worship. I just love worship and praise. No. D'ailleurs, on ne voudrait pas aimer l'adoration. You should not just love worship. Il faut aimer celui qu'on adore. You should love the one that you worship. Celui qui aime l'adoration finit par tenir un stylo rouge et un papier. Parce qu'il aime l'adoration, lorsqu'il y a adoration, lui l'apprécie, il n'apprécie pas. On ne t'adore pas. On n'adore pas pour toi. On adore Dieu. C'est comme ça que nous avons l'église en plein service. Au lieu de s'y mettre, vous savez, l'atmosphère se libère simplement quand il y a des gens qui ouvrent leur cœur. Aussi simple. Jésus devait guérir des gens. Il dit, est-ce que tu crois que je le fais? Il pouvait toucher les gens, ils ont guéri leur pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ouvre-toi. L'atmosphère prophétique se libère quelquefois seulement quand nous nous libérons. When we liberate ourselves. Et c'est pour ça que nous avons des gens qui tiennent le stylo rouge that are taking red en plein adoration. In worship time. Il a raté son introduction. Oh, he just messed up his introduction. Ce chant ici, ça ne se chante pas comme ça. This song is not sung like this. La gamme est trop haute. Ah, this key is too high. Yeah, tu es ingénieur de son. Are you a hip-hop engineer? Non, il ne faudrait pas aimer l'adoration. Il faudrait aimer celui but qu'on adore. One that you worship. Et Jésus dit, and Jesus said, il dit pendant que vous priez, while you're praying, ce n'est pas charnel de demander. It's not just fleshly or carnal to ask. Le Père aime the Father demande. Loves for us to ask. Yes. Moi, je ne demande pas. Me, I don't ask. Dieu dit demander. God said ask. Dans la deuxième portion de la prière, Dieu nous donne la possibilité, le feu vert de lui dire ce que nous voulons. To ask him what we want. Marc 11, le verset 24. And Mark 11. La Bible dit, verse 24, la Bible dit tout ce que vous demanderez everything en that you ask in my name, croyez que vous l'avez accomplish yourself. Mais suivez avec moi cette introduction. Elle dit tout ce que vous
demanderez en priant. Yeah, everything that you ask in prayer. C'est dire qu'on peut demander. That means that every. That means that you can ask anything in prayer. La prière n'est pas qu'un lieu pour demander que le règne de Dieu vienne. It's a place where you should just ask. La prière n'est pas qu'un lieu pour demander la volonté de Dieu. It's not just to ask for the will of God. Vous n'avez pas juste demandé que le nom de Dieu soit sanctifié. And then you can have a big Bible and a button that's closed on the kingdom of God. What? Tu commandes un pain après. But just ask for bread after. What bread are you asking le for même after? Dieu qui te donne les révélations. The same God that is giving you revelation. Ce même Dieu peut te donner une stabilité financière. Le même Dieu qui te fait sentir l'onction. C'est même Dieu qui te donne les enfants en bonne santé. You children that are in good health. Demandez. Ask. Seigneur, je te sers. Je te sers. Je te sers. Je te sers. Lord, I serve you. Demande. Ask. Dans Matthieu, je crois 5 comme ça. Five or something like that. Là où Jésus parle de heureux, comment on appelle ça? Les béatitudes, voilà. Il dit heureux. Be happy. Heureux. Happy. Heureux, happy, ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Have parmi les heureux qu'il mentionne, là, j'ai un heureux qu'il dit aussi. That he spoke about. Il dit heureux les pauvres en esprit. He said that happy are the poor that are in spirit. Dans sa racine là-bas, on dit heureux les mendiants en esprit. Happy for those that are begging in the spirit. Yes, that's the word. Les quémandeurs, les begging, ceux qui quémandent en esprit. Those are begging in the spirit. Nous avons dit précédemment que la prière est un lieu spirituel. Dieu aime les gens qui lui parlent de tout et à tout moment. God loves for people to speak to him about everything. Les gens qui demandent tout à Dieu. Asking everything to God. Les gens qui disent I can do nothing without you. People are saying that je peux rien faire sans toi. Demandez tout à Dieu. Ask everything to God. Être vraiment un mendiant en esprit. Really be begging in the spirit. Yes. Demandez. Ask. La deuxième partie a toute une version réservée pour que nous puissions demander. Just a place just reserved for us to ask. Pourquoi est-ce que nous ne demandons pas? Why do we not ask? La demande. Asking. Révèle. Reveals. L'intérêt que nous avons dans une relation. The interest that we have in a relationship. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un. When you're in a relationship with somebody. Voyez les types de demandes que la personne vous offre. See the type of asking or vous comprenez pourquoi la personne est attachée à vous. Is asking, you'll understand why the person is attached to you. C'est toutes les fois que la personne vient vers vous. And every time the person comes to you. Vient avec un certain type de demande. Always has a certain type of demand. C'est-à-dire que c'était son intérêt. That means that it was his interest. Que de vouloir soutirer ce côté-là de toi. To just subtract that part from you. J'ai un ami, il a 4 ans. I have a friend who's 4. Il a 3 ans, 4 ans. 3 or 4 years old. Il me bénit beaucoup, il m'enseigne beaucoup de choses. He blesses me a lot and he always teaches me something. Des fois, il dérange ses parents. Sometimes he bothers his parents. Il pleure. He cries. Il demande quoi? He asks what? Il demande seulement de venir me voir. Just to see me. Il demande seulement de passer du temps avec moi. Just to spend some time with me. Il demande pas de l'argent. He doesn't ask for money. Il demande pas ma chaussure, nous n'avons même he pas la même taille. He doesn't ask for my shoes and we don't even wear the same size. Il demande pas au nom. He doesn't ask for all pastor, just give me the car. Tour. I just want to go around. Il a 4 ans. He's only 4 years old. Tout ce qu'il demande, il peut pleurer à mort. He can cry. Il dit, I just wanna go and hang out with Pastor Ron. C'est comme ça qu'il m'a fait. He says he just wants to hang out with Pastor. Il y a des petits noms mignons comme ça qu'il m'a fait là, ça à tout moment. Some such cute names that he calls me. Et sa demande est tellement pure que quand il est là, his demand is truly pure that when he's here. Je me rassure à ce qu'il a tout. I reassure myself that he has everything. Tout ce qu'il demande, c'est d'être around him. Everything that he asks is just to be around him. Ça montre la pureté et l'intégrité de la relation que nous avons. It shows the purity and the integrity of the relationship that we have. Quand il est là, je n'ai pas besoin de l'impressionner. So I don't have to impress him. D'ailleurs, quand nous sommes devant les gens, il est triste. Even in front of people, he's sad. Parce que lui n'aime pas ce côté-là de moi. Because he doesn't like that side of me. Quand je suis invité à prêcher quelque part, when I'm invited to preach somewhere, il aime ce côté de moi où on joue.
He loved the side of me where we're playing. On tourne par terre. We're rolling on the ground. On tournait après l'autre. We're running again, around for mais devant les gens, c'est pasteur. But in front of people, it's Pastor Romeo. Tu peux pas rouler avec. You cannot just roll on the ground. Devant les gens. In front of people. Dans les tapis, quand je vois mon ami, lui, il aime qu'on roule par terre. He likes for us to roll on the ground. Maintenant, quand il me voit devant les gens, il dit, il a déjà compris, il sait que si on fait des sérieux, so, so, il reste les gars. So he just stays serious. Il dit, si on était à la maison. Say, yo, we were at home. Et très souvent, quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous demande toujours l'argent, l'argent, ça présente aussi que vous êtes always presents that you are in a non-healthy relationship. In dans une relation relationship. Désavantageuse. Une relation où vous êtes utilisé. Relationship where are you? Si toutes les fois que vous êtes dans une relation, every time that you're in a relationship, on ne vous recherche que pour vous demander. They look for you just to ask. Si vous êtes utilisé. That means that you are being used. Oh. Mouchina. En russe, ça veut dire pour moi. Si vous êtes dans une relation, toutes les fois qu'on vous demande, that every time they meet you, on ne vous demande que. They just ask for something. Parce qu'il y a un problème. That means that there's a problem. Alors, je l'ai dit précédemment, faudrait so pas I mettre. Said earlier, I was saying, faudrait pas mettre d'abord la chaussure. You should not just put your shoes. Et puis mettre la chaussure. And then put your socks after. Non. No. Dans la relation avec Dieu, in relationship with God, recherchez premièrement. First look, non, mais après avoir recherché premièrement, but after looking, vous avez le droit de demander. You have the right amen. To ask anything. Alléluia. C'est lui qui a the one le that maître has lui-même. The master himself a la portion de tout le reste. Has a portion of everything. Là, mes mentors racontent une histoire qui m'a beaucoup one of my mentors told me a story. Il dit, he said, il dit, il y avait une femme qui était devant. There was a woman that was in front of. Elle était à trois. There were three. Devant une bijouterie. A jewelry store. En train d'apprécier les bijoux. Just appreciating the jewelry. Ah, c'est joli, c'est joli. Saying, oh, this is beautiful. Là, this is beautiful. Alors, le bijoutier à l'intérieur, so leur a vu. The jeweler inside. Il sort de l'autre côté. Saw them and he comes et out. Il s'approche. And he goes to them. Et il leur pose la question. He asks them a question. Je vous ai vu pendant très longtemps apprécier les bijoux. I saw you looking at the jewelry. Qu'est-ce que vous aimeriez? What would you like? Et la première des filles dit. The first girl said. Ah bon moi, tellement que j'ai pas assez d'argent. Me, I don't have any money. Je préférerais seulement les tout petits là. I just want the small one there. Je disais peut-être que ces gars ils posent la question pour nous acheter. The, they thought that that they were asking to moi, buy. C'est bon ces petits là ça va m'aller. Even the small one is okay. Alors il pose la question à la deuxième. So he asked a question to the second plus ambitieuse. One. The more ambitious elle one. Elle dit moi je prendrai les quartiers. She said, I will take just like the whole carrot. Le gros quartier là. The whole carrot, the big carrot. Yeah, je prendrai seulement celui-là. I'll just take that one. Pose la question au troisième. He asked for the, à la to troisième. The third one. Elle était the un peu réticente, comme si elle réfléchissait. She was very reserved, like as if she was dit, thinking. Vous, mademoiselle, qu'est-ce que and vous prendrez? And you, lady, what would you like? Elle dit. And she would say. Je pense pas que je préférerais aucun de ces bijoux. I don't think I would like any of these jewelries. Je préférerais les bijoutiers. I would like the jeweler. Parce que si j'ai les bijoutiers, j'ai if I have the jeweler, I'll have the jeweler. Wow. C'est lui qui a le roi, le reste. The one that has the king has everything. Amen. C'est lui qui commence par rechercher le royaume des dieux. The one that starts by looking for the kingdom peut of God. Demander tout. Can ask for everything. C'est lui qui s'approche. The one that approaches himself in prayer. Our Father. Peut demander can tout. Can ask for anything. C'est lui qui reconnaît avoir une relation avec Dieu. God, a le droit. Has the right, c'est ton droit. That is your right, de demander à ton père. Father for anything. C'est ton droit de dire it's papa, your, je veux. Right to say, Father, I want. I want this. Je veux ça. Mais remarquez, but parce que this, tout ce qui a été appelé a été déjà résolu dans façon à l'école biblique. C'est lui qui réfléchit avec un cœur pur. The one that thinks with a pure heart. C'est lui qui commence par là. The one même ce qu'il there, veut, whatever he même wants, ses intentions, even his intentions, c'est bien en synchronisation avec ce que Dieu veut pour lui. What God tu penses que tu veux, en réalité, c'est Dieu qui le veut pour toi. You think that you want, but it's God that wants it for you.
Il dit, je veux que vous prospériez à tous les égards. I want you to prosper in every aspect, like the state of your heart. Je veux. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, comme nous-mêmes voulons que nous soyons en bonne santé. Voilà pourquoi quand le corps souffre, on est triste. That's why when our body is suffering, we're sad. Donne-nous aujourd'hui. Give us today. Chaque jour, il y a une portion de ce que nous devons demander à Dieu. Of what we have to give to God. Donne-nous aujourd'hui. Give us today. Il y a comme ça des gens qui n'arrivent pas à jouir de ce que Dieu leur donne dans le temps présent. With what God is giving to aujourd'hui, c'est ce que nous avons maintenant. Today is what we have right now. Il y a des gens comme ça qui sont toujours pressés dans ce qu'il y aura demain. Qui ne se laisse pas aller dans ce que Dieu a libéré maintenant. Don't let them be liberated in what God has given to them today. Or right now. Je dois finir high school. I want to finish high school. Tu finis high school. You finish high school. Je vais aller à l'université. I have to go to university. Pas le temps de célébrer ce que Dieu a fait avec toi en high school. You don't have the time to celebrate with what God did for you in high school. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont eu des enfants. A lot of people abandoned. Beaucoup ont été have been drug addicts. Beaucoup ont commencé à travailler. A lot of people started to work. And plusieurs choses. There's many things that happened. Tu n'as pas le temps de célébrer. You didn't have the time to celebrate. You go to the university. Chaque jour, every day, passer l'examen. I have to pass the exam. I have to do this. Okay. I have to do that. Tu finis l'université. Tu n'as pas le temps de célébrer. Tu dois trouver un travail. Tu n'as pas le temps de célébrer. Tu dois commencer ma propre compagnie. Tu trouves ta propre compagnie. Tu n'as pas le temps de célébrer. Tu dois payer les actions. I have to pay the bills. Tu payes les actions. Je dois me marier. Oh, I have to get married. Tu te maries. Je dois avoir des enfants. Oh, I have to have children. Tu as des enfants. Je dois les éduquer. Je dois les envoyer à l'école. You send them to school. Je dois les faire marier. Ils commencent à grandir. They have to get married. They're grown up. Les enfants grandissent, les petits enfants. Je dois occuper les petits enfants. I have to take care of my grandchildren. Jusqu'à là, tu deviens. All the way to until they're grown up. Je dois chercher un médecin. I have to look for the doctor. Parce que tu n'as pas eu le temps d'apprécier une single thing que Dieu a fait pour toi aujourd'hui.